Salut à tous! On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Maurecourt dans les Yvelines et j'ai rendez-vous avec Laura pour fabriquer de la bonne confiture. Bonjour Laetitia. Alors, c'est bien beau de la manger, mais il faut aller la fabriquer maintenant. Bah ouais, t'as raison. Il y a du boulot? Bah oui. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Tu bosses tout près? Oui, c'est juste là à côté. Alors Laura, t'es tombée dans la marmite quand t'étais petite? Bah oui, j'ai voulu venir travailler avec ma mère. Ta mère, elle travaille ici? Oui, ça fait 38 ans. Ma tante, mon cousin. Ah, c'est une autre affaire de famille, toi? Voilà, c'est ça. C'est marrant. Elle t'a trouvé un petit job? Du coup, après mon apprentissage, je suis venue ici pour une semaine et puis ça va bientôt faire 16 ans que je suis là. 16 ans? 16 ans. Bah dis donc, bravo! Qu'est-ce que tu fais comme job ici? Je fais de la confiture et là, on est sur la fraise. Ah, j'adore, mon fruit préféré. Ta maman, elle fait quoi comme job? Pareil, c'est elle avec mes tantes qui m'ont appris à cuire. Avant, j'étais aide-cuisson et puis maintenant, je suis cuiseuse. Et donc, vous bossez ensemble? Voilà, c'est ça. Ah, c'est excellent! Donc, cuiseuse de mère en fille, finalement. Voilà, c'est ça. Tu me montres ça? Moi, j'ai envie de faire partie de ta famille de cuiseuses. Y a pas de soucis, on y va. Allez. Alors, parle-moi un peu de Maison Andrézy. Cette année, ça fait 70 ans qu'on est ouvert. Et puis, c'est trois générations. Il y a eu le grand-père, le gendre et puis les petits-enfants. C'est comme toi, c'est l'histoire de famille. Voilà, alors. C'est l'histoire de famille. Vous faites des confitures à quoi chez Maison Andrézy? De la fraise, de l'abricot, de la pêche. Il y a plein de gammes, de la framboise, voilà. Les fruits rouges, les gelées. Alors là, on rentre dans le frigo. Donc là, tu as tous tes fruits? Voilà, tous les fruits de la journée. Voilà, ça, c'est la fraise pour aujourd'hui. Ça donne envie, hein? Ah bah oui. Ça sent bon. Alors du coup, là, j'ai été chercher mon fruit dans le frigo. Ouais. Là, je vais charger la bassine. Je vais la faire fondre. Après, je vais mettre mon sucre. Et puis après, je lance la cuisson. Ouais. Entre 20-25 minutes de cuisson. Et après, je vérifie si ma confiture est cuite. Quand elle est bonne, je la verse dans la bassine pour la ramener au dosage pour pouvoir la mettre en pot. Vous êtes combien à bosser chez Maison Andrézy au total? Au total, on est 47. Vous produisez combien de tonnes par an? 2800 tonnes. Ah ouais, quand même? Oui, ça fait quand même pas mal de fruits. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et vous exportez vos confitures à l'international ou c'est que pour les clients? Non, c'est l'international. On peut retrouver la confiture de Maison Andrézy partout. Dans les hôtels, les grandes surfaces, les petits commerces. Et qu'est-ce que tu aimes le plus toi, dans ton métier? Moi, c'est la cuisson. Hein. Ah ouais, tu me doutes? Surtout l'hiver, quand il fait froid, on se réchauffe le cœur devant le chaudron. Hein. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a besoin de rien en fait. On apprend sur le tas. Il faut à peu près entre 3 et 6 mois de formation. Toi, tu formes justement? Moi, je forme. Avec bonne humeur? Avec bonne humeur. Et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin parce que de pouvoir donner son savoir-faire, ça fait toujours plaisir. Et quelle qualité il faut pour faire ce job comme ça? Il faut être dynamique et souriante. Avoir envie. Quoi. Avoir envie, la motivation. Quoi. Et là, n'hésite pas à appuyer, voilà. Et ça va. Ah, j'adore. Là, c'est bon. Parfait. Alors, tu m'embauches? Oui, il faudra juste un petit peu de formation parce que tu as l'air une bonne élève. J'aimerais bien être formée par toi, tu as l'air sympa. Y a pas de souci. Comment tu vois ton évolution? De pouvoir former davantage. Mais de rester ici. De rester ici. T'as le challenge et puis, avec ta maman. Voilà, le challenge. Il faudrait que je sois à 42, moi, comme ça. Ouais, tu l'as dépassé. Il y a 2 ans en plus. Et puis, mais il y a des possibilités d'évolution ou... Après, l'évolution, ça serait d'être chef, mais je ne veux pas prendre de... la place du la place de mon chef. Moi, pourquoi? Le but, t'aimerais c'est... pas faire comme lui? D'être chef, non. Moi, je préfère former, donner mon savoir-faire. T'es épanouie dans ce que voilà. Tu fais, en fait. J'ai pas besoin T'as pas besoin d'aller au-delà. Je suis bien à ce... Bravo, hein. Matin, parce que comme ça, on a toute la journée derrière nous. Fruits rouges, surtout la fraise avec ses petits morceaux. Cuivre, parce que c'est là où on fait les confitures. Avec les doigts, parce que comme ça, on est gourmande. Et oui, c'est moi qui ai fabriqué cette superbe confiture, pas vrai Laura? Oui, et on l'a fait en petit pot aussi. On a fait les deux fraises, notre parfum préféré. Et je te remercie, c'était super de travailler avec toi, Laura. Moi aussi, ça a été sympa de travailler avec toi. Et sachez qu'ici, chez Maison Andrézy, ils recrutent, donc n'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Et abonnez-vous.